du Congo. Für mich es ist die Ehre, hier auf diesem Campus zu kommen, um Ihnen ganz kurz die Demokratische Republik Kongo vorzustellen. Alors, comme vous le savez, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui se trouve en Afrique centrale. C'est le troisième pays de l'Afrique centrale avec une superficie de 2 342 000 km². Wie man es schon weiß, die Demokratische Republik Kongo liegt an dritter Stelle flächenmäßig in Afrika und befindet sich in Zentralafrika mit einer Fläche von 2 345 000 Quadratkilometer. La nouvelle génération que vous êtes ne connaît pas l'Afrique, parce qu'elle estime qu'elle a tout ce qu'il faut en Europe, en Amérique et dans certains pays asiatiques. Die neue Generationen, und da sind sie es, weiß nicht Afrika oder auch die Republik Demokratische Kongo, weil sie denken, wir haben alles in Europa und in Asien. Et avec la nouvelle technologie, il est facile de prendre un atlas ou d'aller sur un site Google et mettre Démocratique République Congo, le relief, la géographie, les potentialités, vous trouverez tout cela là-dedans. Und es ist ganz einfach, wenn man googelt bzw. einen Atlanten nimmt und dann nach Demokratische Republik Kongo schaut, dann findet man alles. Mais il reste bien entendu que vous n'avez pas tous les détails. Voilà la raison d'être de ma présence ici pour vous donner encore un peu plus d'informations sur la République démocratique du Congo. Und selbstverständlich, wenn man googelt oder beziehungsweise in einem Atlanten schaut, kriegt man nicht alle Details und das erklärt, warum ich hier bin, um Ihnen ein paar Details zu diesem Land zu geben. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'économie et de différentes matières et des différents moyens de faire le business avec la République démocratique du Congo. Heute werden wir über Wirtschaft reden und Möglichkeiten, also Handels zu betreiben mit Republik Demokratische Republik Kongo. Depuis 2006, la République démocratique du Congo a eu les premières élections libérales, transparentes et démocratiques. Seit 2006 hat die Demokratische Republik Kongo Freiwahlen organisiert. Alors, depuis cette période, nous avons publié des textes légaux pour permettre à nos partenaires de venir en République démocratique du Congo pour des investissements. Seitdem haben wir Gesetzestexte verabschiedet, um Investoren in unserem Land einzuladen. Alors, nous avons alors un nouveau code des investissements, un code minier, un code forestier, un code du travail. Wir haben dementsprechend verschiedene Texte verabschiedet, was Rohstoffe, Handels und verschiedene wirtschaftliche Beziehungen betrifft. Alors, grâce à ces documents que je viens de citer, que vous pouvez consulter, grâce à ce texte, vous pouvez alors les consulter et vous décider après vos études à aller en Afrique pour faire du bon business. Dank dieser verschiedenen Gesetzestexte können Sie Ihre Entscheidung treffen und nach Ihrem Studium nach Kongo zu reisen, um Business zu machen. En même temps, il a été mis en place des structures gouvernementales d'appui aux opérateurs privés, au nombre desquelles figure l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANAPI.
unter diesen verschiedenen Institutionen, die geschaffen wurden, um diese Business zu erleichtern, gibt es diese Nationale Agentur für die Förderung der Investitionen, Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, ANAPI abgekürzt. Revenons particulièrement sur le Code des Investissements pour relever que l'esprit de cette nouvelle loi est de poser les jalons d'une économie libérale, tempérée, fondée sur la collaboration tripartite de l'État, des opérateurs économiques et de la société civile. Werfen wir einen genaueren Blick auf das Investitionsgesetz. Wir werden feststellen, dass der Geist dieses Gesetzes darin liegt, die Weichen für eine abgemilderte Form der Freiwirtschaft zu stellen, der eine Drei-Parteien-Zusammenarbeit zwischen dem Staat, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft zugrunde liegt. Le Code institue un régime général unique applicable à tous les investisseurs, lesquels bénéficient d'un traitement particulier sans égard à leur nationalité. Il prévoit une procédure d'agrément simple et accélérée qui permet à l'entreprise qui reçoit l'agrément de jouir des avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux plus spécifique. Nach dem Investitionsgesetz gelten dieselben Rahmenbedingungen für alle Investoren, unabhängig von ihren Staatsangehörigkeiten. Es sieht ein einfaches und beschleunigtes Verfahren vor, wodurch Unternehmen, denen eine Genehmigung erteilt wurde, dementsprechend Zoll-, Steuer- und steuerähnliche Sonderbegünstigungen erhalten können. Ok. En plus de ces lois, nous devrons aussi mentionner que nous avons des ressources agricoles, hydrologiques et minières. Die Demokratische Republik Kongo hat unbestreitbare und unvergleichliche Standortvorteile in Bezug auf Investitionen. Wir haben noch dazu einige Potenzial, die dazu berufen, einen besonderen Platz in hierarchischer Struktur auf regionaler Ebene und in der Welt. Comme dans tous les pays, il faut mettre l'accent sur l'agriculture. Wie in alle verschiedenen Länder muss man die Agrarwirtschaft betonen. Alors, le Congo dispose de plus de 120 millions d'hectares de terres arables fertiles. Als Agrarland verfügt die Demokratische Republik Kongo über 120 Millionen Hektar fruchtbares, für die intensive Landwirtschaft geeignetes Agrarland, von dem jetzt. Alors, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons utilisé que 10% seulement des terres exploitables. Von diesem fruchtbares Agrarlandwirtschaft jetzt ist erst circa 10% bebaut sind. La diversité climatique qui caractérise le pays prédispose celui-ci à être un véritable grenier de l'Afrique, pouvant réaliser 3 à 4 récoltes annuelles pour certaines cultures. Die klimatische Vielfalt, die das Land gekennzeichnet, ist die beste Voraussetzung dafür, dass die Demokratische Republik Kongo mit 3 bis 4 Ernten jährlich bei bestimmten landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu einer der Kornkammern Afrikas aufsteigt. Le pays possède également un potentiel hydraulique impressionnant avec un bassin hydraulique de 3680 km. Unser Land verfügt über ein beeindruckendes Potenzial an Wasserkraft mit einem 3680 Quadratmeter breiten Wasserkraftgebiet und damit. Il est aussi un véritable empire forestier, dans la mesure où la forêt congolaise représente à elle seule plus de 45% de l'ensemble de la forêt
équatoriale africaine. Außerdem ist es an sich ein wirkliches Waldkönigreich, da der kongolesische Wald über 45% des äquatorialen Regenwaldes in Afrika und 6% des gesamten Regenwaldes in der Welt beherbergt. Elle est aussi 6% des réserves tropicales mondiales. Das habe ich schon gerade vorher übersetzt. Alors, dans cette forêt, nous trouvons des arbres que certainement vous n'avez pas encore vus, mais auxquels vous pouvez aller au Congo pour les connaître comme ça directement. Vous avez le wenge, la phromosia, l'ébène, l'iroko et le kambala. In diesem Regenwald gibt es Bäume, die Sie noch nicht kennen, nämlich es gibt über 1000 Baumarten, wurden identifiziert, zu denen die meisten gesunden Holzarten gehören. Die Wenge, Afromosial, Ebenholz, Iroko, Kambala und so weiter. Okay, maintenant nous allons passer à la richesse minière. Vous savez que la République démocratique du Congo, c'est le pays, le seul pays au monde où vous trouvez toutes les richesses minières qui sont contenues dans la table de Mendes que nous avons tous appris à l'école secondaire en chimie. Reden wir jetzt über Rohstoffen und Bergbau. Die Demokratische Republik Kongo behält diesbezüglich fast alle Rohstoffe und Bergbau, die man auf diesen Mendel-Tabelle mit chemischen Produkten schon in der Schule gelernt hat. Tous les minéraux, même ceux qui ont permis à faire les ordinateurs, à faire le téléphone portable, à faire le satellite, vous les trouvez dans le sol de la République démocratique du Congo. Also, alle diese Bergbaureichtümer, die von denen man Computer bzw. Handytelefone baut, findet man eben in diesem im Kongo. Ok, je vais alors vous citer rapidement les minéraux qui sont les plus exploités. Vous avez le fer. Ich werde Ihnen ein paar von diesen Reichtümer erzählen. Darunter Eisen. L'or. Gold. Le diamant. Diamanten. Le cuivre. Kupfer. Le cobalt. Kobalt. Le wolframite. Wolframite. Le vanadium. Vanadium. Le beryllium. Beryllium. Le colombo tantalite. Colombo tantalite. Et ainsi de suite, si je peux avoir une journée, je crois que je n'aurais même pas fini de les citer. Und so weiter, selbst wenn ich einen ganzen Tag zur Verfügung gehabt hätte, werde ich nicht die Liste genau bis zum Ende vorführen. Alors, toute cette richesse nous donne la possibilité d'avoir des sites touristiques merveilleux. Alle diese Reichtümer gibt uns auch die Möglichkeit, wunderbare touristische Seiten zu haben. Nous avons des espèces rares dans le monde que nous essayons de préserver, comme les singes bonobo. Wir haben ganz seltsame Gattungen, so wie die Bonobo-Affen, die bei uns sind. Nous avons l'okapi qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs que dans les parcs qui se trouvent en République démocratique du Congo. Darunter gibt es auch Tierarten, die ausschließlich nur in der Demokratischen Republik Kongo zu finden sind, wie das Okapi. Alors, nous avons aussi des programmes touristiques. Pour ceux qui s'y intéressent, vous pouvez nous contacter à notre ambassade à Berlin pour pouvoir bénéficier des avantages et aller faire du tourisme en République démocratique du Congo.
Wir haben auch touristische Programme, wenn man uns kontaktiert durch unsere Botschaft in Berlin, können wir das organisieren.